Alors nous voilà pour cette nouvelle partie de pêche. Cette fois ce sera au Method Feeder dans la région de la Somme, sur un petit plan d'eau sauvage très sympathique avec une belle quantité de poissons d'un beau gabarit. Donc c'est des poissons entre de 5 et 10 kg, donc plus une pêche de poissons un peu, on va dire, spécimen. Donc pour cette partie de pêche, nous avons décidé avec Nico de pêcher au Method Feeder, donc à la farine. Pour ma part, je vais utiliser la méthode Green Betaine et Nico, qui sera juste à côté de moi à 10-15 mètres, va utiliser le méthode Krill pour la pleine eau. Moi, je vais plus faire une pêche de bordure. Donc pour commencer cette partie de pêche, on va préparer le méthode Green Betaine. Donc, on va pêcher ici 3-4 heures sur le coup de l'après-midi. Voilà. Donc un bon volume de méthode. Voilà. Je mets dans le seau. Pour le mouillage, ce sera donc 4 volumes de farine pour un volume d'eau. Donc ici, j'ai rempli un quart du même récipient. Voilà. On va bien mouiller ça, mélanger. On va laisser reposer 5-10 minutes, le temps de préparer le reste du matériel. Et on se retrouve pour la phase de tamisage qui est super important. Donc tamisage et ajustement du mouillage avant la partie de pêche. A tout de suite. Voilà, donc 15 minutes plus tard, on a ce qui nous a permis de faire quelques lancers, de clipper pour nos distances de pêche. Donc une opération super importante pour éviter ce genre de petits grumeaux et de petites boules, c'est le tamisage. Ça, c'est quelque chose de super important pour avoir un mélange homogène et qui travaillera beaucoup mieux sur le méthode. Donc on tamise pour avoir un mélange bien aéré. Alors, on va voir le résultat. Voilà, on a quelque chose de très bien. On va faire un essai sur un méthode. Donc pour cette pêche, on va utiliser les mini dumbbells de différentes couleurs et saveurs pour voir un petit peu comment les poissons réagissent. C'est la première fois qu'on pêche ici, donc on va voir un petit peu s'il y a des couleurs en particulier où les poissons réagissent bien. Donc soit les mini dumbbells en 8 mm ou les mini bouillettes en 10 mm. On va faire un essai avec un mini dumbbell. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Voilà, donc ça va se lancer facilement, ça va coller aux méthodes et une fois sur le fond, ça va s'ouvrir et travailler très rapidement. Voilà, j'espérais en venant ici, il y a quelques koi dans le plan d'eau. Donc ça fait 2 semaines que je dis à Nico, j'espère qu'on va toucher un petit koi au feeder. Voilà qui est chose faite. Troisième poisson, magnifique koi orange avec un petit dumbbell orange pris sur la bordure. Magnifique. Thank you.
Allez, première touche, une belle petite commune. Donc carpe méthode krill avec un petit dumbbell hot spice également. Petit poisson bien sympathique. Allez, on continue la pêche. Voilà, après 5-6 poissons au dumbbell orange spice, petite accalmie, donc du coup j'ai changé, j'ai remis un rose océan, 10 secondes, un beau gabarit, les poissons sont bien présents là sur la bordure, c'est sympa. De nouveau un joli poisson là, beau gabarit, toujours sur un dumbbell rose océan, donc une saveur crustacée, relance des méthodes toutes les 4-5 minutes et les touches s'enchaînent, super. Voilà, donc pour clôturer cette belle après-midi de pêche, donc on a pêché plus ou moins 3h30, 3h30, 4h. Donc Sébastien a pêché aux carpes méthode green betaine et pour ma part j'ai pêché aux carpes méthode krill. Donc on va clôturer cette petite vidéo bien sympathique, on espérera que vous aimerez ça. Et avec cette belle petite commune tout en longueur qui nous a offert un bon petit combat sur des cannes légères, c'est vraiment sympathique. C'est ça qu'on adore à la pêche.